Salut les loulous. Eh ben c'est Titi, un petit tuto. Alors, on m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire les contours de sa barbe. On est d'accord, on a une barbe qui commence à pousser. Vous avez passé une bonne journée? Parce qu'aujourd'hui, il fait un temps de malade mental. Ce matin, il pleuvait un truc de dingue. Aujourd'hui, c'est grand beau temps. Bon, on parlait de la barbe. Voilà, comment est-ce qu'on fait les contours? Donc, on a bien laissé pousser. Pas bien laissé pousser, j'ai taillé à 15 jours. Hein. Trop d'air. Je ma barbe est trop courte. Bon, on fait les contours. Bon, moi, j'utilise la petite tondeuse contour pour faire les contours nets. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, voilà. Moi, pour enlever les petits poils, pour pas se planter avec le rasoir. Déjà, j'enlève que ça. Hop, on fait la même chose en dessous. Regardez les gars. Déjà, ça nous en enlève pas mal. Hein. C'est quasiment à blanc. Hein. Regardez, c'est pas mal là, hein, franchement. Voilà. Oh les mecs là. On a bien tapé dedans. Vous avez vu ça? Alors après, on va s'amuser à les raser avec ceci. Il y a également le rasoir de Norbert. On va pas mettre de la mousse. Moi, je vais mettre une huile de rasage. Moi, j'aime bien. C'est onctueux, c'est gras. Le rasoir, il glisse bien. On va mettre là. Hop, hop, hop. Voilà. Ça hydrate la peau en même temps, le poil. On met en dessous. On va mettre une petite serviette, hein, c'est là. Si elle tient. Voilà. Ah non, ça tient pas. Pas grave. Voilà, on en met bien. Ok. Pour mettre la barbe, c'est pas gênant. Ça l'hydrate. Et maintenant, eh ben, le petit rasoir qui va bien. Et on va essayer de pas se trancher la gueule. Regardez ça. Oh, franchement, c'est pas la classe. Trop bien. Allez, l'autre côté. On tire bien la peau, hein. Faut bien tirer la peau, surtout pour les vieux comme moi, un peu ridés. Donc tu tires bien la peau pour pas que ça va être bien tendu, hein.
Mais c'est bien, nickel. Allez, on va s'attaquer au plus dur, la gorge. Attends, mais t'as essayé. Comment je vois que dalle. Mais voilà, putain, ça glisse bien. On essuie un petit peu, hop. Là, quand il y a la glotte, en fait, quand vous rasez au niveau de la glotte, ne rasez pas sur la glotte, vous tournez. Hop, ou d'un côté ou de l'autre. Parce que si tu restes sur la glotte, tu vas te trancher la gorge, tu vas te trancher la gorge et la glotte et ça va pas le faire. Voilà. Putain, c'est bon, hein. Ça glisse, c'est doux. Oh, un petit bouton là, qui est éclaté. C'est le bouton du chocolat que j'ai bouffé à Pâques. Voilà, les gars. Regardez. Regardez. Voilà, allez, je me suis rasé, c'est nickel, comme d'habitude, hein. On peut l'arranger. Voilà les gars, c'est pas si compliqué que ça, tu mets de l'huile de rasage, regardez, c'est bien doux, c'est agréable, et c'est la dextérité avec votre rasoir, être super doux, faire attention de ne pas se trancher la peau. Ok les gars, bon allez, je vous laisse. C'était un petit tuto parce qu'en fait il y a un des bros qui m'a demandé comment est-ce qu'il fallait faire pour se raser, qui ne savait pas faire avec son rasoir. Voilà les gars, et ben passez une bonne soirée, bonne petite bière, à très bientôt. Ciao les gars, bye bye.